Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma première introduction par rapport à ma chaîne YouTube. Au départ, j'avais fait en sorte de vous mettre une vidéo assez simple. Enfin, c'est même pas une vidéo, c'était juste un montage sur Camtasia, puisque je travaille avec ce logiciel qui fait à la fois des enregistrements d'écran et de montage vidéo. Là, je vous montre de quoi je parle. Et en fin de compte, je me suis dit, bon, ça va pas. On va essayer de faire quelque chose de plus sympa. Bah, je me suis dit, tant qu'à faire, puisque je vous ai fait une formation complète pour débutants et débutantes sur Blender, là, vous pouvez voir, c'est le genre de choses qu'on va apprendre à faire. Alors, il y a plein de choses que j'ai rajoutées, bien entendu, mais c'est à peu près dans ce que je vais vous expliquer. En gros, dans ma formation, je vous explique comment faire ce genre de choses. Alors, on a commencé par ce petit élément avec la Suzanne et le petit tabouret. On apprend donc les bases, hein, bien entendu, c'est très important. Et au fur et à mesure, j'ai fait en sorte d'évoluer par rapport à cette formation. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéressait de vous montrer, c'est si j'appuie sur la touche 0, je suis donc en mode caméra. Alors, si je clique maintenant sur le bouton lecture de ma timeline, vous allez voir que d'un seul coup, ma caméra va se déplacer et elle va arriver au niveau de mon ordinateur qui va s'ouvrir et c'est à ce moment-là qu'on a la vidéo qui sort. C'est exactement le genre d'introduction que je voulais mettre en place. Alors, comme je vous disais, si vous êtes intéressé par rapport à une formation Blender pour débutants et débutantes, puisque là, je suis sur la version 3.5, c'est la dernière sortie sur Blender, je vous ai fait une formation où au début j'étais parti sur la 2.83, puis après je vous ai fait une évolution sur la 2.93 et ensuite je suis parti sur la 3.3. Je vous montre de quoi je parle. Donc là on se retrouve sur le site web frtuto.com. Vous cherchez ici simplement au niveau du moteur de recherche, vous tapez Rosé, que c'est mon nom de famille, et vous allez retrouver mes différentes formations. La première formation que je peux vous proposer c'est le module 0 qui est à l'heure actuelle à 9€. Je vois qu'il y a 10% coupon actif des moins 10%, donc c'est cool. 9€ et vous avez 3h55 de formation. Et croyez-moi, avec ça, vous aurez déjà des bonnes bases pour apprendre Blender. Je vous laisse regarder. Je vous mettrai le lien au niveau de la description pour l'info YouTube. Vous puissiez voir un petit peu ce qu'il en est, donc en dessous de ma vidéo. Et vous pouvez voir ici, comme je disais, on a une évolution. Donc au début, je l'ai fait avec la version 2.83. Bien entendu, Blender n'arrêtant pas d'évoluer, j'ai fait en sorte de vous montrer ce qu'on peut faire. Après, j'ai fait une évolution avec la 2.93 et après une évolution avec la 3.3. Comme ça, si vous, par hasard, vous avez de suite la 3.5, aucun problème, vous allez comprendre de suite de quoi je parle puisque je reviens à chaque fois sur les différents outils ou s'il y a une évolution ou une amélioration par rapport à ça. Vous pouvez voir ici, bon après je vous laisserai regarder. Et bien sûr, si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer ici sur formation de Jean-Michel Rosé, vous aurez les différentes formations que j'ai pu faire. La dernière en date, c'est la réalité augmentée. Donc si je viens ici, c'est celle-ci où j'explique comment marche le logiciel Adobe Aero. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.